Hey, salut tout le monde, c'est Eldrazi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo sur le mode Eiser 2, motherfucker. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre aventure. Alors je me suis un petit peu caché, car il a fait nuit. Motherfucker. C'est quoi tous ces trucs rouges? Je crois que nous avons un bug. nous avons un bug apparemment. Ah, oh, la musique était de bien. J'espère qu'elle est pas trop forte. Alors, nous avons un bug et je pense que c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ça commence bien, je suis désolé les gens. Je m'y attendais vraiment pas. Oh, j'espère que ça va partir. C'est parti. Oh, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, pas grand-chose. Vous voyez que j'ai du stuff. D'ailleurs, ça m'a surpris quand j'ai regardé, j'ai vu, tiens, j'ai du stuff, j'ai l'impression d'avoir eu le même stuff que j'avais perdu, et finalement, peut-être que c'était lui, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va continuer à chercher une île. Un tout petit peu monter les graphismes, genre comme ça. On va chercher une île flottante, une île volante, pour enfin commencer à construire notre maison. Et peut-être... Ah, de l'ambrosium là-bas. Ouais, une petite île volante, ce serait sympa. Je sais pas vous, mais... Si, si, j'ai du son, je crois que j'avais pas de son. Mais si, en fait, j'ai du son. Je l'ai vu où, mon minerai, là, en fait. J'ai vu du minerai, mais je sais plus où il est. Bon, on va avancer quand même par là. Ah, il est là-bas. Tadam! Regardez. Ah, je crois que c'est par là-bas, les donjons que j'avais vu la dernière fois. Ouais. Donjon. Allez, on va récupérer notre ambrosium. L'ambrosium, comme je dis, est très 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 important. C'est grâce à lui qu'on pourra manger plus tard avec notre altar que j'ai perdu. Super. Et bien, que j'ai perdu quand j'étais mort. Donc, non, je n'irai pas récupérer le même stuff. Donc, j'avais retrouvé d'autres chocobos en fleurs. Ouais, je m'en souviens absolument plus. Bon. Dans cet épisode, je pense qu'il y aura un peu moins de folie que les trois précédents. par la simple et bonne raison que du coup, ben là, je filme pas le même. Il pleut, normalement. Je crois que je l'avais désactivé, mais je pense que je vais le réactiver. Quality, c'est dans animation, je pense. Water particules, dripping lava, smoke, c'est le splash. C'est pas ici? C'est pas ici, on dirait. Ah, Rain Splash, voilà. Non, c'est pas ça qu'il faut mettre. Animation, c'est Rain et Snow, une connerie du genre. C'est une... Ah, oh, je suis désolé de commencer dans les menus, franchement. Voilà, Rain... Mais si, je l'ai. Mais fast. Bon. L'Ambrosium. Passons à toi, nous allons te chercher. Je suis en normal, c'est bon. C'est bien, je sais pas, je comprends pas pourquoi on drop de l'ambrosium en minant de temps en temps. C'est bizarre. C'est pas normal, mais. Mince. Je croyais qu'en fait il y avait un trou en dessous, mais pas du tout en fait. Je suis trop prudent. Et les gens, j'ai remarqué quelque chose, nous sommes bientôt 360 sur la chaîne. Ça me fait plaisir! Ça me fait plaisir, ouais, ça me fait plaisir. Même si je sais qu'il y en a que la moitié qui regarde mes vidéos et encore. Mais ça me fait plaisir parce que c'est le chiffre qui compte. 300 et quelques abonnés. Ça fait beaucoup quand on y pense, hein. Ça fait plus ou moins mon lycée en taille et encore je crois qu'il y en a un petit peu plus. Ça fait du monde. On va pas tout prendre, on va pas dévaliser tout le nuage non plus, mais voilà quoi. On va aller par là-bas. Parce que j'en ai envie.
Il pleut apparemment. Du moins, c'est ce qu'on peut entendre. Il faut que je trouve un moyen de passer de l'autre côté. Ah, des oranges. On va récupérer les pousses. Donc on va pas ouais directement là. Ah mince, c'est vrai, il faut d'abord péter lui pour ensuite péter lui pour avoir la pousse. C'est assez embêtant. Voilà. Toi, on peut t'en prendre un peu. Sans trop se casser la figure. Parce que je pense faire des trucs sympas avec. Ouais, non, par contre, j'irai pas descendre pour la récupérer. Fexat, j'en pourrais en récupérer d'autres. Ah, de l'ambrosium! Nickel! Non, de. Mais il est kamikaze? Mais t'es stupide! De la zanite. De la zanite qui va nous être utile. Car on pourra se refaire un altar. Et avec cet altar, on pourra faire. Du manger avec l'ambrosium, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors j'ai tenté d'installer Not Enough Item, mais apparemment il ne marche pas. Allez savoir pourquoi il marchait juste avant. Je pense faire une réinstallation des mods après, pas maintenant là. Donc j'ai tourné quelques épisodes à la suite, mais je vais pas le faire. On va devoir mettre un lapin sur notre tête, les gens. C'est notre devoir. Ouais, donc je pense. Ah, j'ai encore oublié de savoir quand est-ce que je filmais. Donc ouais, je ferai une ellipse. Je pense que ouais, à écart, je pense que ce sera fini, mais je ferai quand même une ellipse pour vérifier. Ouh. Il n'y a pas d'autres minerais, ce serait sympa en fait d'avoir plusieurs minerais là sous la main. De l'ambrosium. Ce serait pratique. Au moins de la j'aimerais bien avoir un peu plus de zénith quand même, parce que. De zanite. Car avec je pourrais faire du. Un stuff tout simplement, parce qu'avec de la zanite on peut faire un stuff. Tout simplement. Et si ça n'a pas changé par rapport à la version de Laser 1, il y aura un minerai qui s'appelle la gravité, ou je sais plus comment ça s'appelle. Du moins elle est soumise à la gravité. Enfin, elle est soumise à la gravité inverse, c'est-à-dire par exemple tu prenais la gravité. Et là, le minerai avec une pioche, tu tapais sur le bloc, il s'envolait. C'était magnifique. Ou c'était le minerai qui s'envolait, je ne sais plus. Enfin, je pense que j'ai passé par là. Oh, je suis tombé. Du nuage bleu, les gens, regardez. On dirait de l'eau, n'empêche, hein, ce nuage bleu. Je pense que c'est pas le même nuage bleu qui nous propulse dans les. Ah non, regardez. Lui, il est clair. Lui, là-bas, il est foncé. Faudrait qu'on aille voir à quoi il correspond. Alors, on va se faire un chemin. Ou alors on passe par les nuages en bas. Allez, on passe. Oh, en plus, il y a de la. Je peux juste faire un truc, les gens, ça va être ça. Slash weather clear. Histoire que ça évite de faire des lags en plus pour rien. Sachant que dans ce monde, il ne pleut pas. Ou presque pas. Écoutez la musique, les gens. Si c'est pas tout bonnement magnifique. Hein? Mine de. Ah, je vais quand même encore baisser, j'ai peur que ce soit fort. J'adore les musiques de ce mode. Il faudra que je trouve en quelque part sur internet ou directement dans les fichiers du mode l'OST de Laser 2. Alors qu'est-ce que l'OST? C'est les bandes de musique. C'est les musiques du jeu. Sauf que là, ça sera juste les musiques du mode Hazel. Hazel. Oh, comment j'ai bugué sur le mot Hazel. Ouais, c'est sur le. C'est un dossier. Qui est dans le. Normalement, c'est un dossier. Dans. Où il y a toutes les musiques du mode. Et dans ce dossier, eh bien, nous avons les musiques et il y a un fichier qui doit faire un random des musiques. Alors, random, c'est aléatoire pour ceux qui ne connaissent pas trop l'anglais. Voilà. J'avais dit qu'on passait. Oh putain! J'ai failli remourir! Et reperdre encore une fois mon stuff, que je galère à garder. Mais c'est parce que je pense que je suis trop en mode vagabond. Ça doit expliquer une chose quand même. Une grande part des choses, c'est que je me suis en mode gros vagabond qui fait que marcher, genre je suis un nomade. Enfin, un nomade par rapport à la série que fait Crawling Flesh, où il est en mode je cherche de la laine et fuck la police. Je ne m'arrête pas pour dormir. c'est plus ou moins ça. Hein. Mais nous, on va s'arrêter pour dormir. C'est dangereux d'aller dans des endroits comme ça, sombres, qui ne se génèrent pas. Parce qu'il pourrait y avoir des monstres. Ah, d'accord, je vais à 15 plombes pour récupérer ça. Je pense me faire une pioche en zanite dès que celle-ci sera explosée, ce qui paraît logique. Voilà, tout simplement. Ah, ellipse.
Oh non, ah purée, ça reprend. Bon, relégeant, j'ai les trucs rouges qui sont réapparus, c'est embêtant. Si je change la qualité, la portée, ça ne fait strictement rien. Si j'augmente les graphismes, ça ne change strictement rien. Si je change ça ne strictement rien. Le fog en face, ça change rien. Serveur texture, ça change rien. Ah, c'est chiant. Je sais pas ce que c'est, mais c'est chiant. Déconnexion, reconnexion. J'espère que ça va marcher. Casse-couille ça d'ailleurs, hein, j'ai remarqué. Faut que je regarde si ça vient pas du mode Not Enough Item qui s'est mal installé et qui fait des bugs d'affichage, mais c'est embêtant, à vrai dire, d'avoir des milliards de traits rouges qui jumulent tout, qui jumulent, qui font partout quoi. Vous avez compris, hein? Vous êtes pas stupide que je sache. Par contre, Minecraft, tu ne fais pas comme la dernière fois, s'il te plaît, tu marches normalement. Allez, charge la map. Building the terrain. Allez. Oh, c'est chiant ça, les gens. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est chiant, tout simplement. Je me demanderais à quoi ressemblerait une de mes vidéos si elle était censurée par des bips à chaque fois que je dirais une connerie ou une insulte. Surtout une insulte. Ça ferait beaucoup de bips dans la vidéo quand même. Vous imaginez? Surtout dans les trois pro... Excusez-moi. Dans les trois premiers épisodes, je pense. Ah! Minecraft a chargé! Attends, ça lag! Minecraft, c'est bon. Ça a l'air d'être corrigé. Je me renseignerai pour ça. Ah mais non, je me disais, putain, il y avait un donjon de l'autre côté où j'étais. Ben non, en fait, c'était le même donjon, mais c'est juste que j'étais pas au même endroit. C'est dangereux de miner au bord d'une falaise, prêt à nous faire tomber dans les cieux incontestables de la mort. Cette phrase n'avait aucun sens et je m'en bats les steaks, tout simplement pour rester poli. Et encore, je suis pas sûr que ce soit poli de dire ça. Bon. Allez, Minecraft, tu mines ton bloc. Et je sais absolument pas quoi dire dans cette vidéo, c'est super horrible, les gens, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est embêtant. Alors, j'ai 21 zanites, si j'en ai 24, je peux me faire un stuff complet, mais je me ferai un stuff, je me ferai une épée et oh non, il va faire nuit. Faut que je passe de l'autre côté à tout prix. Je pourrais passer par là-bas. Donc par le nuage. Est-ce que je meurs en tombant dans un nuage de très très haut? Je ne sais pas. C'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est bon. Et en plus on ne passe pas à travers. Ce qui est encore mieux. Alors, on se munit d'une épée. On évite les lags, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme minerai? Nous avons... Je sais que j'aime pas faire ça à la base, mais au moins j'y vois plus ou moins. Et puis si je croise des minerais rares... Oh putain, regardez comment ça prend de la place les donjons. Ah! Ce minerai, c'est la gravity, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est le minerai que je vous parlais tout à l'heure. Et je croyais qu'il était rare. Finalement, ils l'ont mis en plus grand nombre. On essaiera d'en choper plus tard. Sans tricher, hein, les gens, en minant normalement. Ouais, je pourrais pas accéder, le plus proche c'est ici. Mais ça m'a servi à rien de faire ça du coup. Faut pas savoir. Je suis deg. Deg. Oh, fait chier. Bon, ben on va passer par là quoi. Je n'aurai jamais assez de blocs, je pense. Allez, on pose. Et on va éviter. Oh non, s'il y a un zéphyr qui vient m'attaquer, je vais pleurer. Mais d'une force. Enfin, je vais pas pleurer, mais je pense que ça me fera littéralement chier, tout simplement. Si on m'attaque, je vais péter un câble. Et là, super! Oh non, il y a des mois. Oh non. Déjà là, je sais même pas comment je vais me récupérer. Je le mets au seul endroit où je pourrais pas y accéder, je parie. Ah non, ça va. Allez. Ce serait bien si on trouve un Moa, mais gentil. Normalement, ça doit toujours exister.
On va passer comme ça, un peu sécurité. On se... Oh putain, je crois que c'était un moa, ça, alors que c'est juste une fleur rouge. Ça, c'est un moa, par contre. Fumier, il m'a aveuglé. Enfin, il m'a pas réellement aveuglé. Oh non, non, non. Bon. Je suis deg. Je suis deg. Je crois que je suis l'homme le plus nul de tout Minecraft. Au niveau de laser, apparemment. C'est assez embêtant parce que ça me commence tout doucement à m'énerver, les gens. Vous pouvez comprendre ça, que j'en ai marre de mourir toutes les 20 minutes, tout simplement, hein. J'aimerais pouvoir avoir une faire un jeu Minecraft sans bugger, quoi. Sachant que là, je viens de reperdre encore du stuff. J'avais putain plein de zanites que je viens de perdre, qu'on va essayer de retrouver, de toute façon. Mais je suis pas content du tout. En plus, elle a dû griller. Il y a une partie qui a dû brûler à cause des zéphyrs électriques, là. Je ne suis pas content. J'ai presque envie de faire mon noob et passer en easy. Je me mettrai pas en peaceful comme la dernière fois, mais passer en easy parce que ça a l'air taille de chaud en normal. C'est chaud en normal et j'ai peut-être une lueur d'espoir en me disant que en easy c'est peut-être beaucoup plus simple, parce que easy ça veut dire facile à la base, donc on sait jamais. Je ne sais absolument pas où j'étais. J'ai plus de repères, les gens, c'est abominable. Ah si, je reconnais plus ou moins l'endroit, mais il y a un magnifique zéphyr électrique. Je sais plus comment il s'appelle dans le... En plus, il vient de se téléporter, c'est complètement rassurant tout ça. Oh, il manque un parti de nuage. Ah ben c'est vrai, je crois que je viens de le sécher. Je l'ai séché tout à l'heure. Je suis pas sûr que ce soit moi tout à l'heure maintenant. Ça veut rien dire, moi tout à l'heure maintenant. Qu'on se mette au clair, ça n'a aucun sens. Et en plus, les gens, je vais devoir couper l'épisode. Génial. Non, je vais faire ma vidéo juste que je me dise c'est bon, je viens de retrouver l'endroit, je vais pouvoir récupérer mon stuff si il ne m'arrive rien. Chose dont je doute fortement l'existence du je m'arrive rien. Parce que c'est obligé qu'il va m'arriver une connerie. Ce serait pas aussi... Ah non, par contre, je vais pas être d'accord si Minecraft ne génère pas les chunks. Eh bien, les gens, Minecraft fait exprès de couper l'épisode. Nous allons nous arrêter ici. Dans l'épisode prochain, je vais récupérer mon stuff. Donc, les gens, n'hésitez pas à laisser un pouce vert dans cette vidéo. Ça me ferait très 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 grand plaisir. Et surtout... Faudrait que je change mon skin un peu. Non, au moins que je change le visage, parce que regardez, les yeux, ils sont tout en bas. Genre, j'ai 4 pixels de haut, mais les yeux, ils sont très très bas. Il faudra que je change le skin, ou au moins relever un peu les yeux. Voilà. Donc sur ce, les gens, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, ça me ferait grand plaisir. De laisser un commentaire. De partager cette vidéo, si vous en avez envie, en fait. Faites comme d'habitude, votre train habituel. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour l'épisode 5 de la série sur les yeux. Allez, ciao. Thank you.